Le jour, la nuit, sur terre ou par les airs, Israël poursuit sans répit son offensive dans la bande de Gaza. Au 14e jour du conflit, l'enclave a été encore intensément pilonnée ce lundi, portant à près de 550 le nombre de Palestiniens tués, des civils pour la plupart. On compte par ailleurs près de 3000 blessés. La journée de dimanche a été la plus meurtrière, avec plus de 140 Palestiniens tués, dont plus de la moitié dans le pilonnage du quartier de Shadjaya, dans l'est de la ville de Gaza. Des tirs d'un char israélien ont touché l'hôpital Al-Aqsa dans le centre de la bande de Gaza, faisant 4 morts et quelques 70 blessés. Tsahal n'a pas donné d'explication particulière à ce choix de viser un hôpital, mais l'armée israélienne accuse régulièrement les militants du Hamas de tirer des roquettes depuis de tels édifices.